Je prends la route de Saint-Sport histoire de prendre un peu l'air. Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur South Park, The Stick of Truth. On est parti pour la suite de notre aventure. Et donc on en était arrivé juste ici, et que se passe-t-il derrière cette porte? On va découvrir tout de suite. On arrive dans le cockpit. C'est la guerre. Couvration de la machine de défense. Lui il tire qu'une fois au début, on ne sait pas pourquoi. Là, on va détruire la machine. Mo! Ah merde. Ça pue du cul, ça. Je l'ai bloqué, impec. Attends, hop. On va faire la... Ça, c'est bien. Ça leur fait baisser leur... Bien joué. Leur attaque, voilà. Par contre, on prend une petite potion. Potion de santé, petite. Très bien. Ensuite, on peut encore le faire une fois. Autant faire une fois. Oh voilà. Attaque réduite. Attaque améliorée. Lui il tire qu'une seule fois en fait. J'ai eu 7 points encore, ok. Ouh, presque. Allez, encore une fois, je pensais que ça doit être bon. Très bien. Pas mal. On va reprendre une petite potion. Petite. Non, pas ça. Potion de santé. Par contre, cette fois-ci, on a plus assez de points. Alors, hop, 184, 176, on va prendre celui qui est... lui, il tire qu'une fois, lui deux, trois. Trois fois. C'est bon. Encore une fois, régler pour tuer. Ouais, il fait ça. Il fait son attaque. Ah, con. J'ai bloqué. Dans la logique, si on se rate pas. Victory. Oh Mayday. Yes. At what location? Où ça? How many people in the town? Combien de personnes dans la ville? Get in there and cover it up. Allez-y et camouflez ça. Ça pourrait bien tout changer. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Notre crash d'OVNI. C'était le grand méchant. South Park. Quête accomplie. Eh, nouveau! Merci d'avoir joué avec nous hier, c'était vraiment super. J'espère qu'on remettra ça aujourd'hui.
Monsieur Marsh, merci encore de m'avoir sorti de là. J'ai bien essayé de leur demander d'arrêter, mais je suis trop poli. Alors, donc, il reste l'Omorspore. Maintenant, on va pouvoir le faire, je pense. Le problème des sans-abri. Donc, 2 sur 7. Ah, parce que celui dans le truc, il comptait pas. C'est bizarre. La chasse au gros Jimmy avec Jimbo. Jimmy Express, il reste 1. Et les enfants, il reste 2. Ah. Oh my god! Ils sont sortis de nulle part! Il y a eu un énorme tremblement de terre et puis. Je ne savais pas, c'est dans tous les journaux! Tiens, regarde! Et qu'un séisme gigantesque et plusieurs incendies dans la zone de South Park la nuit dernière ont surpris de nombreux habitants dans leur sommeil. Voici un reportage d'un nain en culotte. Tom, ici, les agents du gouvernement assurent à tout le monde que rien d'extraordinaire n'est arrivé. Ils prétendent que le seul motif pour lequel d'immenses tentes ont été déployées dans la zone et dissimuler la construction d'un nouveau Taco Bell. Merci le nain, j'adore le Taco Bell. Le maire de South Park affirme que les secousses de départ d'incendie de la nuit dernière sont sous contrôle. C'est horrible, tu ne comprends pas. Les elfes, ils ont volé le bâton. Et c'est abusé parce que c'est de la triche pure et simple. On avait pourtant bien précisé, pas de vol de bâton la nuit. Les elfes sont des sales petits. Tu es exceptionnellement doué pour te faire des amis rapidement, les serconnards. Je t'envoie dans les terres de Zaro. Recruter une autre faction. Va trouver les gothiques. Persuade-les de rejoindre notre royaume. Nous irons massacrer. Salaud de tricheur. Nous avons une nouvelle quête. Donc les gothiques, c'est à l'école. C'est totalement de l'autre côté. Par contre, avant, je voudrais passer par les égouts pour voir. Attention, attaquez. Well, what are we waiting for? Bah, qu'est-ce qu'on attend? La bagarre. Je peux pas utiliser. Attends. Tac, tac, tac. Butters prend la forme du machiavélique professeur K.O. et assène une attaque dévastatrice au hasard. Ah. C'est-à-dire que nous, on peut prendre des dégâts aussi. D'accord. Ok. Bon, bah, on verra. Professeur K.O. Tu arrives à me rencontrer. Ok, c'est énorme. Ah merde, tu es curé. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Oh boy, oh boy. Oh limon. Mille merci d'être passé. Mais ici, c'est Noël tous les jours. Et quand je dis oh Dio, tu dois répondre oh Dio, monsieur Anke. Vas-y, essaye oh Dio. Give it a try. On laisse vraiment descendre n'importe qui dans les égouts de nos jours. Qui est à la porte? C'est ce type avec mes pilules? Non, c'est personne avec des pilules pour trop chéri. C'est fait 3 heures que j'ai appelé ce fils de pute. Et c'est mon adorable épouse, Autumn. Elle fête Noël à la vodka et au décontractant musculaire. Ici tous les jours, c'est Noël. Attends, putain, où sont passés mes enfants? Qu'est-ce que tu veux dire par où sont les enfants? C'était toi. Non, ils étaient surveillés par le babysitter. La babysitter a démissionné à 4 mois après que tu lui aies vomi dessus. Mais on l'a battu. Excuse-moi.
Ne m'humilie plus jamais devant un étranger. T'es bourré, Auton. Et tu sais pas où sont. Va te faire foutre, c'est toi. C'est aussi tes gamins, c'est l'enfoiré. Non, ta gueule, Auton, ta gueule. Howdy-ho. Écoute, il faut que j'aide ma femme. Tu pourrais retrouver nos enfants. Je serai te récompenser. Simon, Amber et Cornwallis. Dis-leur que leur père veut qu'ils rentrent à la maison. Putain d'épave! Holy ho! Hop, on va en récupérer un du coup. Merci monsieur, j'aurais bien aimé avoir un endroit sûr et chaud, mais à défaut j'irai chez moi. J'ai demande en ami, ouais, super. Amber Anke, titre de. Oh putain, SDF. Oh my god, 2 SDF. Bon. C'est con qu'on ait pas le. Bien, très bien. Ensuite, hop, Butters, tu termines la petite souris de merde. Et c'est tout bon. Bien. Oh putain. Encore un. Un sans-abri. Je vais te couper les coups. Et le Roy a plus de points de vie que les autres. Bon. Spare change. Dans ce cas. Appuie lui aussi. Give me some change, goddammit. Ok. Tu ne me laisses aucun choix. Le char curieux. Il y en a un qui a pris cher. Voilà les clochards. C'est tout bon. Bah lui, bah, du coup, on est obligé. Faire ça, hop, boum. C'est éclaté tout seul, c'est bien. Nous sommes attaqués. J'ai perdu pas mal de dés de vie. Alors, professeur Chaos. Ouais, parce que le professeur Chaos, c'est ce qui fait le plus de dégâts actuellement. Et voilà. C'était tout bon. Merci infiniment, monsieur. J'avais peur de me faire attraper par ce rang et de finir noyé. Simon. On n'est pas venu par ici. Alors attends, mais ça mène où? Où il y a des clodos? Eh, il y a encore une crotte. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Spare change? 464. Tac, tac, tac. Très bien. Professeur K.O. Professeur Chaos. C'est quoi ça? Cop K.O. On va avoir un retour bouclier. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que si on est dégueu, voilà, quand il nous frappe. Et en plus, il se fait mal. Excellent. Je suis curé quand même, ça c'est pas trop grave. Du coup, on va. Moi je veux pas. Donc, on va faire. On va essayer ça, tiens. Le juge. Il n'y a pas assez. Ça sert à rien, il n'y a pas assez de points. Tac, lance-pierre. Hop. Donc, il reste le gros rat. On n'en parle plus. Sorry about this. Et encore une fois, et c'est tout. 17 points. Un coup de rayon.
Et voilà. Merci, mon garçon. Ma poivre de mer m'a envoyé chercher du lait de poule. Du lait de poule. Tout à fait. Oui. La souris pénis. What are we waiting for? La souris pénis qui est donc en fait le c'est la zigounette de Garrison la saison 12. La zigounette est en sang. Professeur K.O. Je dégosse si possible. Perdu du dégât, mais c'est pas grave. Donc moi, du coup, je peux encore faire l'attaque du jugé dessus. C'est pas mal. Tac. Allez. Bien. Elle est morte. Pardon. Bien. On est meilleur hein, quand même. Retournez voir Jimbo. Donc là par ici il n'y a plus rien. Alors on va retourner voir. D'abord, comme on a eu les trois crottes, on retourne voir Monsieur Anke. Oh, merci d'avoir retrouvé mes enfants. Remerciez le gentil monsieur et mes petites crottes. Merci. Quand tu auras besoin de moi, tu n'as qu'à appeler et je rappliquerai aussi vite qu'une crotte le dimanche. Oh, les hauts! Sauf contre les boss, bien entendu. J'ai peut-être de la merde à la place du cerveau, mais je suis pas stupide. Je ne peux pas t'aider plus d'une fois par jour. Tout comme je peux aider quelqu'un qui a refusé d'aller en désintox. Donc on va aller voir Al Gore. Nice work. I will let you know. Joli travail. Je te tiendrai au courant de toute avancée concernant le Morsport. Pense bien à partager. C'est qui ça? Je crois que c'est ce nouveau dont on parle. Dégage, le nouveau. Cette zone est strictement réservée aux gothiques. What's this? C'est quoi ça? Rejoignez le royaume de Kubaki pour combattre les elfes maléfiques, toutes les recrues sont bien. Désolé Frodon, on joue pas à donjon. Ouais, casse-toi. Allez, on pourrait le faire, on fait jamais rien. Pas question, fais pas ce que ce gosse nous demande. C'est un conformiste. Regarde ses fringues. Ouais, laisse-moi te dire un truc, le nouveau. Chope-toi de bonnes fringues, des cigarettes et du café. Ouais, si tu veux prouver que t'as pas un conformiste, alors il faut que tu sois exactement comme nous. Alors peut-être qu'on voudra bien te... Alors, nouvelle quête. Achetez une coiffe gothique et revêtez-la. Achetez une paire de gants gothiques et enfilez-les. Achetez une tenue gothique et enfilez-la. Boire du café fait assez gothique. Achetez du coffre du... noir torréfié. Il faut les taper, c'est pas grave. Take your stupid hair and leave. Eh putain, cassez-vous. Ah. Puis quand on se bat. Are you gonna rape us? Ouais, vous allez nous violer. Non. On va juste leur couper les couilles. Make your move. Voilà, hop, un petit coup du professeur K.O. C'est une sale gueule, le gars, quand même. Let's see how you like healing with me. Boum. Et on apparaît. Adieu. Et
T'es un bon explosif. Et voilà, on a des clés. Boire du café, fait assez go... Ah merde, j'ai pas pris le café. Bon, on va rechercher le café chez le bureau. Retournez voir les gothiques. Oh merde. Et le voilà à nouveau. De nouveau, le roi des elfes a sollicité ta présence. Libre à toi de venir sans faire d'esprit. Les soins prévenus, combattre à ce stade du jeu est une perte de temps totale. Tu feras mieux de laisser tomber pour nous accompagner. Non, c'est impossible que tu gagnes un combat. C'est une perte de temps totale. C'est sûr de là. Très bien, finissons-en. Moi je me bats jusqu'au bout. Alors je vais faire une invocation. Je vais appeler Jesus. Stop digging around. Tire croix. Lock and load. C'est énorme. Et voilà. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On a bien essayé de te dire que c'était inutile, mais tu as voulu essayer quand même. Allons-y. Elven Kingdom. Alors, tu es le nouveau dont tout le monde parle. Comment tu t'appelles? Il ne parle pas au roi des elfes. Il se prend pas pour de la merde. Tu as choisi le mauvais camp, mec. Qu'est-ce qu'un gros cul le sorcier t'a raconté? Qu'on a enfreint la loi et volé le bâton? Tu devrais plutôt te retourner contre Cartman. Il planque le bâton, c'est de la triche. Et joue le type trahi. On a intercepté le corbeau Twitter, rapportant que tu t'enterrais de revenir. Mais rallie-les à notre cause. On pourra alors partir saccager ce stupide royaume de Cartman. Tu feras le bon choix, j'en suis sûr et petit. Si tu nous trahis, on dira à tout le monde que tu es un trou du cul. Je t'envoie notre meilleur ranger pour te guider, le barde. Tout est perdu, mes contacts, mes cartes, ma liste d'amis, dépossédé de tous mes biens par l'ogresse. Peut-être puis-je te faire confiance. Très bien, finissons-en. Tu sais ce que mon barde doit posséder? Flûte. Si j'avais une flûte, on pourrait jouer fantastique. Si seulement j'avais une flûte pour Facebook, signale que... Tu sais où est le ranch? J'aimerais tellement savoir. J'ai dû avoir plein de questions. Les humains ont érigé des bannières en revendiquant les territoires elfes à travers la ville. Ainsi, par le puits prétend que l'équilibre ne serait resté. Un slip. 5 sur 5. Alors, au niveau des quêtes, on va faire un petit point rapidement. Donc, il faut qu'on aille recruter les gothiques. Donc, pour ça, il faut juste que vous faites assez gothique, là, repartez voir. Donc, il faut aller juste les revoir. Au niveau des sans-abri, il en reste un nid à trouver. La chasse au gibier, il y en a plusieurs. Il reste deux enfants à trouver. Retirer Algor de votre liste d'amis. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Le champ magique. Parler à Rancher Bill à la ferme du coin. D'accord. La sœur de Stan, Shelley, a volé son iPhone. Donc il faut rendez-vous à la résidence des marches et préparez-vous à vous battre aux côtés de Stan contre l'ogresse maléfique. Égalité pour tous. Donc il faut détruire des bannières. On a plusieurs affaires et c'est tout. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On enlèvera le gore de nos amis donc la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si vous ne voulez rater aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut. La place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. Ça y est, la route pour South Park, histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des...